Musée d'Dôle, exposition Queco, journal d'un peintre, du 16 octobre 2020 au 7 mars 2021. Hall du musée de Dôle, avec une œuvre de la série des Hommes Rouges, La Meute, qui vient du musée national d'art moderne. C'est une exposition qui est une forme de rétrospective, avec un mur de toute petite toile qui fait effectivement un résumé chronologique de la totalité de l'œuvre, mais que nous verrons plus tard. Les salles sont, elles, organisées sous forme de thématiques, lesquelles thématiques permettent de regrouper les œuvres, non plus en fonction de la chronologie, mais en fonction du thème et du croisement du thème, sachant que les thèmes sont perméables entre eux. Ici, nous avons une salle de dessin, avec des œuvres inspirées de d'autres peintures, de Philippe de Champaigne, de La vie au grand air, avec des personnages plongeants, un motard assez surnaturel, avec des reflets et des paysages d'herbes dessinés de manière très fine et obsessionnelle. Des dessins à l'encre qui datent de 2013-2014, qui sont parmi les dernières œuvres de Queco. Et puis, un chien de Pachacamac au Pérou. Et des œuvres qui sont apparentées à la série des Hommes Rouges, qui sont des dessins, crayons, encre, peinture, stylo feutre. Ici, des œuvres de la série dite La Nouvelle Société. Salle du dessin. Ici, un petit hommage et un cheminement vers la peinture d'après la peinture de la peinture, avec un Christ de Champaigne décomposé en petits dessins. Et ici, nous avons La Mort de Sardanapale en mode canin, avec des chiens qui remplacent les personnages. Petit clin d'œil. Petit détournement, La Tempête de Giorgione, un Christ en kit, d'après le Philippe de Champaigne du musée de Grenoble, et La Damnée des HLM, d'après Rembrandt. Changement de salle, avec un petit passage par un imagier, des œuvres qui appartiennent au musée de Dôle, avec tendeur, lunettes, gélules, petite peinture de tout petit format, une éponge bleue avec sa date, des élastiques, et un croisement avec un couloir qui parle de la fin de l'exposition, avant le troisième étage. Et puis, différents couloirs, ici le couloir des petites peintures. Et ici, nous retrouvons le trajet avec une salle dite Narcisse Navray et qui s'inspire d'autoportraits, qui est conduit par le fil rouge d'un autoportrait très déstructuré ou avec des autoportraits qui sont masqués, cachés, recouverts, où le souci de la ressemblance existe, mais il sert souvent d'alibi à un recouvrement, un effet caché. Le masque avant l'heure, et c'est une série qui date des années 2000. Narcisse Navray, La Feuille de Chou, portrait dans les feuilles, bonjour, et des portraits avec un masquage, un recouvrement, par des points de neige ou des points noirs de type suie. Et puis l'autoportrait qui sert de signal pour l'exposition, l'autoportrait aux cacahuètes. Bonjour Monsieur Queco. Ici, une petite station en forme de pomme de terre avec un petit texte qui dit « Regardez une pomme de terre en lui faisant un petit théâtre. La rendre irréelle ou d'une réalité autre, fictive, la couper du monde. À nier ainsi l'alentour,
Le doute vient à la pomme de terre elle-même, et à force de silence, elle vous infiltre à votre tour. Des pommes de terre au kilo, en assemblage, des assemblages, pommes de terre multipliées, pommes de terre fragmentées. Une salle canine consacrée aux chiens, avec ces chiens dans une fontaine, des années 73-74. Un très grand chien, les patrouilles, la série des grandes toiles, à peu près de la même période, la série des grandes toiles 74-75, qui appartient au musée de Nantes. Un tout petit système de chiens fragmentés, où la partie vaut pour le tout, et le regard qui bouge dans tous les sens peut s'amuser à suivre les numéros pour reconstituer le chien complet. C'est pas comme ça que ça marche, mais on peut s'amuser à penser ça. Un chien sur fond jaune, avec le plaisir de retrouver les aléas du séchage de la peinture, le maigre refusé par le gras et des effets jaspés qu'on retrouve dans la peinture. Chien plus inquiétant, avec des têtes noires. Toujours une salle animalière, avec des serpents, très naturels, très graphiques, très surnaturels, des chiens qui sautent, des années 70, sympathiques ou inquiétants, plutôt inquiétants. La truie à l'étang, avec un système où le blanc des bandes détruit ou cache l'image, et détruit l'image parce que la peinture était également peinte sur des scotchs qui ont été ensuite enlevés, arrachés. Un petit portrait de vache sur un fond noir de paysage apocalyptique. Et un guépard prêt à bondir, sympathique ou inquiétant. Une salle consacrée à une nature, qu'elle soit sous forme de tapisserie, des gobelins, terminé quelques semaines avant la disparition de Cueco, sur des thématiques liées aux herbes sèches, au saxifrage, à des fragments de nature, bols de châtaigne, feuilles de saxifrage, ronces, églantines, etc., des années 2000, et ces paysages de feu des années 80, pardon, plutôt au milieu des années 80, avec ses feux, dessins, peintures, flammes, un triangle de feu aussi, et de reflets, et des cailloux flottants, figuration de l'espace et d'un univers flottant. On retrouve la salle, le couloir consacré aux images du corps, mais avec un passage par le ciel de nuages, un effet de journal, avec des dates, des écritures et des fragments de ciel repérés jour après jour pour en faire un journal. Une autre salle consacrée au corps, et plutôt le corps érotique, la Danaé aux roses, et des corps sur papier peint, les roses étant ici sur le support de papier peint, alors qu'elles sont peintes ici, sur cette Danaé qui découle de Rembrandt. Des dessins inspirés de Ingres, sans les reflets, ou avec les reflets. Des petits chiens à mamelles, petits chiens joués, petits chiens détournés, aux mamelles multipliées. Une bête zabée, fragmentée, multipliée, peinture de la peinture, image du corps érotique. Une salle de bain de la série sanitaire et papier peint, la fin des années 60, la deuxième moitié des années 60, où le jeu permet de retrouver à la fois le papier peint du fond et la scène très intime d'une dame nue sur ses toilettes. On pourrait l'appeler dame à sa toilette.
Dame assez toilette. Un nu sur toile cirée, enfin un lit sur un lit qui est peint sur toile cirée. Et puis, malgré tout, quelques dessins érotiques. Attention les enfants, cachez vos yeux. Quelques dessins tout à fait érotiques. Avec des machines, des machineries, des figures acrobatiques. Et des figures animalières, tout à fait animalières et avec la sauvagerie qui peut ou pas convenir. Le portrait de Martin Barkos ou la décomposition du tableau, fragment après fragment, permet de retrouver l'ensemble de l'œuvre, mais aussi de le détourner à la manière de cette exposition du musée de Pau, consacrée à la peinture de la peinture, qui s'appelait « Entre vénération et blasphème ». On voit que pour le blasphème, le respect de cette peinture, qui a permis son déploiement, s'est amusé à détourner le tableau. Ici, la salle dite des peintures empêchées. Donc, l'empêchement vient de ce que l'œuvre est fragmentée, divisée, limitée par des effets de grille, système de grille qui font que l'œuvre apparaît sur une partie seulement de la surface où elle est peinte. Alors, c'est pas le cas pour cette grille puisque c'est la grille elle-même est faite de bois de récupération. Mais ici, on a une grille qui est formée par un mur de briques qui est peint et un chien qui saute derrière et qui se devine derrière le mur. Là où ça se complique, c'est que la grille n'est plus une grille physique d'un mur, mais c'est une grille abstraite de peinture blanche. Dans les cases, dans les trous de laquelle grille, on retrouve et on devine un groupe de chiens, une meute qui se promène. C'est assez peu lisible à la caméra, il faut bien dire. Ici, la grille est peinte en blanc. Ici, ce n'est pas la grille qui est peinte en blanc. Les chiens sont peints sur la grille. Ce sont les carrés qui sont peints ici en blanc. Jeu du peintre, jeu sur le système de représentation, jeu sur la représentation de l'espace. La grille est peinte. Et les chiens sont dessinés sur l'ensemble du tableau. Autre effet de grille, avec des moutons cette fois. On les devine, on les discerne. Les trous sont en forme de croix et la clé est donnée par le petit tableau qui vient à côté. Ici, on va retrouver le couloir consacré au corps avec ce tableau sur les journaux du ciel, des ciels. Et ici, le même système où le paysage est peint sur la croix de la fenêtre, la croisée de fenêtre. Alors que là où il y a les vitres, il n'y a plus que des fragments de ce qu'on devine. Donc la transparence n'est pas là où on croyait. On le croirait. Ici, nous avons des gymnastes de la série La vie au grand air, sur papier foncé, plaisir de la stylisation des corps. Une œuvre de la série des Africains, Sol d'Afrique. Pas la plus représentative de cette série, très colorée. Et puis ici, le paysage dans la main, série de 76, donc avant les grands paysages dessinés, et où le paysage est vu, comme on peut le voir, à travers la main, à la manière du cadreur qui en serre et définit ses limites en présentant ses mains. Et puis une série de paysages ou de représentations où le corps est d'abord très modelé, très coloré, comme le paysage lui-même qui est un peu stylisé. Et puis le paysage est de plus en plus stylisé. Les corps sont du coup traités en aplat, totalement en aplat, de la même manière. Donc cette œuvre qui est des années 70, les autres précédentes étant des années 60. On retrouve ici le carrefour des salles et la frise des peintures chronologiques.
Il faut ensuite remonter les étages pour aller chercher la salle des œuvres consacrées aux politiques.